260 km au sud d'Abidjan, vit la petite communauté Lélé. Chaque jour, les femmes et les enfants parcourent une longue et fastidieuse distance à la recherche de l'eau, une eau par ailleurs insalubre. Ils font partie des 2 milliards de personnes qui ne disposent pas d'eau potable, des 4 milliards d'œufs de personnes qui ne disposent pas de système d'assainissement sûr, des 3 milliards de personnes ne disposant pas d'installation de base pour se laver les mains à la maison. Chaque jour, ils risquent des maladies comme le paludisme, la dengue, le trachome, etc. Près de 300 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des maladies dues à un mauvais assainissement, à une hygiène médiocre et à l'eau non potable. Deux ouvrages intitulés l'un « Maladies liées à l'eau et à l'assainissement » et l'autre « Environnement en mutation, défis, interventions et mesures de prévention » traitent de la question. Visitez le site Horizon International Solution www.solution-site.org. La lumière est des vérités. La vérité est des connaissances. La connaissance est savoir. Qui de nous ne sait pas que la parole est délivrance lorsqu'elle est vérité? C'est le mensonge, cette odeur nauséabonde qui fait que l'homme sent plus mauvais que le bouc. Ah, Karasamba, de Batoro Kumanakaba.